Merci. Militants et militantes de l'UFDG, bonsoir. Je vous salue au nom de notre cher président Elhadj Mamadou Sellou Dalé Diallo. Il vous félicite pour avoir participé au mois de carême 2022 avec beaucoup de dignité et avec beaucoup d'honneur. Nous prions Dieu d'exaucer donc nos prières. Vous avez tous constaté qu'il a prié pour le pays à la Mecque. Il a prié pour le pays à la Mecque, mais il a prié aussi pour le pays à la Mecque. Nous prions également pour lui, qu'il ait une bonne santé, qu'il ait le courage nécessaire d'affronter les épreuves que nous allons bientôt affronter pour arriver à ce point. Le discours ne sera pas long. Tout a été dit. L'UFDG est un parti rassembleur, un parti de rassemblement. Nous sommes prêts à dialoguer même avec le diable. Si c'est l'Union de Guinée, si c'est pour la démocratie, si c'est pour le bonheur des Guinéens, nous sommes prêts à dialoguer même avec le diable. Heureusement, on n'a pas dialogué encore avec le diable. Nous sommes en train de parler avec les Guinéens, avec nos parents, nos amis, nos collaborateurs, nos amis guinéens. Les décisions que l'UFDG prend, l'UFDG n'a de compte à rendre à personne. Sauf à vous, nous rendons des comptes aux militants et aux militants de l'UFDG qui nous ont fait confiance. Soyez rassurés que la direction du parti peut peut-être se tromper, mais elle ne vous trahira jamais. Retenez une seule chose. Nous n'oublierons jamais les victimes de l'UFDG. Les victimes de l'UFDG, les victimes de la Guinée, pas seulement l'UFDG. Il y a eu des victimes à Zogota, à Wome, à Zéloué, à Conakry, à Galapagne. Ces victimes-là, nous serons véritablement réhabilités que lorsque l'UFDG sera au pouvoir. On ne peut plus lever les morts, mais il faut quand même les réhabiliter. Il faut réparer le corps. Depuis 2009, l'affaire du stade, vous n'avez pas encore oublié. Même un depuis le jugement n'est pas encore fait. C'est vrai ou c'est faux? Donc, l'UFDG usera de tous les moyens légaux, pour parvenir au pouvoir, de rétablir les victimes à leur droit, de réparer le tort, avancer le développement du pays et rassembler les Guinéens. Je ne parlerai pas de la réunion du G58. Docteur Doukou l'a développé, ça a été justifié. Nous continuerons le rassemblement des filles et des filles de Guinée qui ne sont pas d'accord sur les traditions de l'ordre,
Ceux qui ont accepté le permission pour l'homme, nous allons essayer de les convaincre qu'ils ont tort. Le militaire est formé, il est habillé, il est payé pour protéger les frontières, l'intégrité du pays. Défendre le pays lorsque sa sécurité est menacée. Nous n'avons pas formé, habillé, outillé les militaires pour qu'ils soient dans les bureaux, c'est vrai ou c'est faux. Donc, nous conseillons nos chers frères qui sont aujourd'hui au pouvoir du CNRD de nous prendre comme des amis sincères, des partenaires sincères. Nous ne caressons pas les sens de poil, nous disons la vérité. Nous avons applaudi le CNRD. Lorsque son président a dit qu'il y a eu trop de gabegie, que la justice était instrumentalisée, que la boussole sera celle de la justice et du droit. Aujourd'hui, nous constatons une déviation, pour ne pas dire une dérive importante. Nous sommes obligés, en tant que partenaire objectif, de les ramener à la raison. Donner des conseils. Mais si le CNRD, lui-même, qui a déclaré que les lois et les traités sont reconduits, et le même CNRD, hier, prend un communiqué pour dire que les manifestations sont interdites. Il y a là une contradiction vraie ou faux. Il y a là une contradiction. Nous l'invitons, nous demandons au CNRD de revoir les lois et les copies de cette loi, les traités qui prévoient le droit aux manifestations pacifiques. Lui-même, je n'ai jamais été demandeur ou organisateur de manifestations violentes. Nous avons toujours demandé des manifestations pacifiques. Et nous continuerons à demander les manifestations pacifiques. Lorsque tous les recours sont épuisés, je le dis ici solennellement, si les autorités refusent la manifestation, eh bien, nous garderons ces refus pour l'histoire. J'ai parlé des victimes, j'ai parlé de la charte qui est également violée, puisqu'il n'a dit nulle part qu'il appartient au CNRD, par une déclaration, par une vote de loi, changer les propositions du gouvernement pour décider de la nouvelle transition. À 36 mois. Nous estimons que 15 mois sont largement, largement suffisants pour l'élection. La loi fondamentale, qui est la Constitution, même si on doit la réécrire, on ne parle pas d'une page vierge, on ne parle pas de néant. Il y a toujours un texte sur lequel on se base pour faire une loi fondamentale. La loi 2010 était une loi consensuelle. On peut l'améliorer si on a de bonne volonté, la volonté politique, d'agir rapidement. En un mois maximum, nous avons une loi fondamentale. Le fichier, il est là, il est consensuel, il est la propriété de la Guinée. Le matériel est là, il suffit de le compléter, il suffit de tester le fichier qui est là, l'inspecter, le compléter et passer aux élections. Qu'est-ce qui reste après?
l'oreille de Jésus, c'est en une semaine, on réunit les gens, on s'entend sur qui représenter le gouvernement national civil pour gérer les élections. On ne peut pas inventer la route. Maintenant, si on veut faire les recensements biométriques, on a tout le temps. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans. Mais pendant ce temps, les élections sont passées. Si le Seigneur ne veut que la Guinée se bouge, le dessin de la Guinée est dans ses mains. Aujourd'hui, nous avons pris les charges du Mali sur notre dette. Les villes de la Guinée vont aujourd'hui au Mali. Des dizaines de camions sont en train de créer le camion au Mali. Les dizaines de camions remontent, transportent le coton du Mali à Conakry. Avec tout ce que cela implique comme contrainte sur de petites routes qui vont également se dégager très rapidement avec le trafic qui aura d'ici là pratiquement doublé. Nous invitons le Seigneur à agir vite pour que le fardeau que nous avons, qu'on puisse le supporter correctement et qu'on ne soit pas encombré aussi du fardeau du Mali. Pour tout ça, il faut aller vite, il faut aller aux élections. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui en vous remerciant, en vous félicitant. Nous avons passé un mois à cette réunion. Le premier mois, le premier jour de la réunion a été perturbé par le communiqué d'hier et par les événements que nous avons constatés au Caïfou ce matin. Beaucoup de militants ont été découragés. J'espère bien que le samedi prochain, à 10h, la salle sera archi-comme. Nous vous remercions, nous vous félicitons, que Dieu regarde le mieux que Dieu regarde son président, qui donne la bonne santé et qui donne la victoire. Merci. Amen.